Bonjour à vous tous, bienvenue sur ce plateau de questions ouvertes. Comme chaque semaine, nous allons tenter de décortiquer l'actualité et nous le faisons avec des éditorialistes des médias chrétiens. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Jean-Pierre Denis. Bonjour. Bonjour, vous êtes directeur de la rédaction de l'hebdomadaire La Vie. Émeric Pourbet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des programmes à Radio Notre-Dame. Alors, à l'ordre du jour cette semaine, une question: quelle limite à la recherche médicale? Nous allons poser cette question à la faveur de la publication, ces jours derniers, d'une nouvelle instruction par le Vatican. Son titre, Dignitas Personae, autrement dit, la dignité de la personne. Son but, actualiser un texte paru en 1987 et qui s'appelait Donum Vitae, autrement dit, le don de la vie. En effet, des questions ont surgi depuis. Elles concernent, par exemple, la recherche sur les embryons, le recours aux cellules souches ou encore le clonage thérapeutique. Qu'en dit précisément l'Église? Comment ce texte peut-il être reçu parmi les fidèles, mais aussi dans l'opinion, les hôpitaux, les centres de recherche? Y a-t-il sur ces questions consensus, non seulement parmi les églises chrétiennes, mais aussi au sein même du monde catholique? Alors, avant d'entendre nos invités, je vous propose une illustration parmi d'autres des options possibles dans ce domaine de la recherche. Le centre Novus Sanguis, créé par la Fondation Jérôme Lejeune, travaille sur le sang de cordon ombilical. Jean-Marie Lemenay, qui préside cette fondation, nous explique son fonctionnement. C'est un reportage concocté par Émeric Coletta. On regarde. La médecine de demain offre des perspectives étonnantes. Des travaux scientifiques ont mis au jour depuis plusieurs années les grandes possibilités qu'offre la thérapie génique. Il s'agit de reproduire des tissus à partir de cellules souches qui peuvent s'adapter et se multiplier pour traiter des maladies. Le consortium Novus Sanguis, lancé par la Fondation Jérôme Lejeune et par des laboratoires internationaux, effectue des recherches concrètes sur ce sujet. Il s'agit de refaire du tissu, essentiellement, du tissu cardiaque, de refaire du tissu de la cornée, de refaire du tissu pancréatique, et également des tissus endommagés dans le cadre d'accidents cérébrovasculaires. À partir de l'utilisation des cellules souches de son cordon essentiellement, mais également des cellules adultes. Donc il s'agit vraiment d'une technique réparatrice, régénératrice, et donc l'idée étant de prendre ces cellules qui sont encore indifférenciées et de les orienter, d'orienter leur différenciation dans le sens indiqué. Et ces thérapies novatrices font déjà l'objet d'applications cliniques. Les cellules souches adultes et de sang de cordon ombilical ont donc un intérêt double. De multiples applications thérapeutiques, tout en garantissant le respect de la vie. Le cas pratique le plus général, c'est le souhait de rester au service de la personne humaine et de ne pas instrumentaliser l'être humain à quelque moment de son développement que ce soit, c'est-à-dire tout à fait au début de sa vie ou tout à fait à la fin de sa vie. Donc pas de cellules effectivement qui viennent de l'embryon, mais également qui viennent de prélèvements du fœtus. Une frange de la communauté scientifique affirment qu'elles sont bien plus prometteuses que celles effectuées sur des embryons, qui soulèvent pour leur part des questions éthiques plus délicates. S'agissant en particulier de ce que dit l'Église sur la thérapie cellulaire, elle dit un message qui n'est pas nouveau en l'occurrence. Elle dit, écoutez, la science est libre, la science a un champ absolument immense, il est bordé simplement par une considération toute simple, à laquelle beaucoup peuvent souscrire, et qui est de dire, on respecte quand même l'être humain du début jusqu'à la fin. Et l'être humain, il commence par définition au début, à la conception, par conséquent, l'usage des cellules souches embryonnaires n'est pas licite, parce qu'il porte atteinte au respect de la vie d'un être humain en phase embryonnaire. Et puis par ailleurs, elle observe aussi que les résultats les plus positifs et les plus prometteurs, eh bien on les trouve avec l'utilisation des cellules souches de sang de cordon et les cellules adultes. Donc elle recueille cette information-là, qui est disponible, et information qui d'ailleurs est partagée par beaucoup d'observateurs. Et puis elle dit, voyez, donc c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut aller. Même à des fins thérapeutiques, la manipulation des embryons paraît donc évitable. Mais en France, elle est encore possible dans certains cas. La révision de la loi bioéthique devrait intervenir en 2010 et on peut donc s'interroger sur la dimension morale du progrès, car avancée scientifique rime très souvent avec expérimentation. Alors ce reportage prend une illustration importante, bien sûr, on y reviendra sûrement sur les embryons et de l'usage des cellules embryonnaires, mais avant toute chose, je voulais vous demander ce petit livre, Dignité Personae, comment vous l'avez reçu à travers vos rédactions? Quel usage en avez-vous fait, Jean-Pierre Denis, à La Vie? D'abord un très bon papier dans le numéro de La Vie de cette semaine, premier usage. Plus sérieusement, je dirais que c'est un document qui était évidemment absolument nécessaire parce que c'est un domaine qui évolue beaucoup. Donc un document fondamental, dès qu'il a 10 ans dans ce domaine, il est vraiment déjà dépassé.
Et je trouve que ce qui est très intéressant, d'ailleurs des scientifiques, notamment des scientifiques américains et qui ne sont pas forcément des scientifiques catholiques, ont dit au moins là, on doit reconnaître que l'Église catholique, elle a voulu se situer au plus précis de la recherche d'aujourd'hui et des questions d'aujourd'hui. Donc on ne peut pas accuser le Vatican, pour une fois, de répondre à des questions qui ne se posent plus. Ce sont bien des questions d'aujourd'hui, avec, je crois, une volonté de savoir très très précisément quels sont les enjeux scientifiques. Et c'est vrai que quand on rencontre les membres de l'Académie pontificale pour la vie, on voit que ce sont des gens qui sont quand même très 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 au fait, ce sont souvent des médecins eux-mêmes, ou ils ont une culture médicale. Ils sont très au fait de ces questions, donc ce ne sont pas des gens qui sont d'abord en train de défendre un dogme déconnecté de la réalité. Donc ça, c'est très très... très intéressant. Pour le reste, je crois que le véritable enjeu, il est encore devant nous. C'est-à-dire que, vous savez qu'on est à la veille des états généraux de la bioéthique. Alors, on y reviendra. Sur, en effet, les éventuelles Donc, conséquences, notamment cette conférence sur la bioéthique de l'année prochaine avec le gouvernement. Donc on pourrait y revenir, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un enjeu. Le Vatican voit des enjeux mondiaux, il les pose à un niveau à la fois théorique et à la fois évidemment extrêmement précis, et après il reste à le mettre en musique dans un contexte national qui est toujours différent. Émeric Pourbet, à Radio Notre-Dame, ce livre, c'est pas toujours évident de traduire un texte écrit à la radio, alors quel est le bon usage que vous en avez fait ? Je crois qu'on a d'abord essayé de le traduire en termes pastoraux, c'est-à-dire on sait très bien que sur ces sujets-là, je pense notamment à la fécondation in vitro, ça passe pas forcément très bien chez certains couples catholiques qui sont en désir d'enfant, pour qui c'est une souffrance, et qui sont un peu mal à l'aise avec ce que dit l'Église. Et je crois que le débat gagne à la clarté, et ce document était nécessaire justement pour préciser les enjeux, quitte à ce que ce soit discuté ou expliqué, et je pense que c'est le rôle des pasteurs. C'est pourquoi on a fait venir notamment Mgr Brouvet pour expliquer la manière dont il allait ensuite diffuser ce message au sein d'un diocèse ou de paroisse. Alors, je lis dans la préface de ce livre qui a été faite par Mgr Dornelas, il estime que cet ouvrage est tout à la fois un immense oui à la vie humaine et une véritable confiance envers la science. Alors on sait bien que souvent les textes du Vatican sont perçus comme des énoncés d'interdits, que souvent ça peut en effet fâcher soit le milieu scientifique, soit même éventuellement d'autres personnes. Est-ce que vous pensez, Jean-Pierre Denis et Émeric Pourbet, que là, on a pris des précautions au Vatican pour que ce texte soit mieux reçu que celui d'il y a 20 ans ? Vous voulez une réponse franche ? Je suppose, je pense que c'est Mgr Dornelas qui a pris des précautions, et il a bien fait de le faire. C'est-à-dire il a bien donné une orientation de lecture pour qu'on lise ce document de manière positive. Donc il a dit c'est un immense oui à la vie. Et évidemment, dans la défense de l'embryon et du plus faible, il y a évidemment un oui à la vie. Sinon, ça n'a aucun sens. Donc je crois qu'il a eu tout à fait raison d'insister là-dessus, tout simplement parce que par ailleurs, le document, comme il ferme un certain nombre de portes ou il les maintient fermées, beaucoup d'entre elles étaient déjà fermées, c'est un document qui est quand même de caractère normatif, et on a rarement vu des festivités et des réjouissances à propos d'un document qui dit non à un certain nombre de choses. Donc c'est intéressant, je trouve, de le mettre dans ce contexte positif. C'est un petit peu, je ne dirais pas forcé, mais c'est une volonté évidemment pastorale des évêques français, visiblement, de le présenter dans le contexte français de manière positive. Tout simplement parce que souvent, comme on a un réflexe de crispation par rapport à ce genre de documents, on ne les lit pas. Donc la première chose à faire, je dirais, c'est de les lire et d'avoir envie de les lire pour ceux qui veulent dire, au-delà des mots qui sont parfois des noms, il y a effectivement une vision plus globale de l'homme et qui est, je crois, une vision extrêmement positive. Émeric Pourbet. Oui, moi, ça m'a beaucoup intéressé de lire la réaction d'Alain Grimfeld, qui est le président du comité d'éthique et médecin également. National, médecin. Et qui, en dialogue justement avec Mgr Dornelas, disait « Moi, ça m'intéresse beaucoup d'avoir l'avis d'une famille de pensée comme celui de l'Église catholique, parce que on a besoin aussi d'interdits quand il y a des impasses, quand il y a voire des précipices, eh bien, il faut mettre des sens interdits. Et je crois que c'est le rôle aussi de l'Église de faire ça. Mais effectivement, comme le disait Jean-Pierre Denis, au service d'une cohérence, d'une vision de l'homme qui au final, elle, est positive. Alors, vous parliez d'interdit. Il est évident que ce texte qui se veut positif énonce aussi quand même un certain nombre de choses déclarées illicites, notamment en rappelant ce qui avait été déjà le cas pour la première instruction de Donum Vitae. Alors, vous faisiez allusion à la fécondation in vitro. Ce texte rappelle en effet le jugement négatif, l'interdiction émise par le Vatican sur la fécondation in vitro, autrement dit l'aide à la procréation, qu'elle soit au sein même du couple ou à l'extérieur du couple. Ce qui a toujours été perçu comme une position très radicale. Vous pensez qu'il était opportun de rappeler cet interdit ?
Moi, je ne perçois pas les choses en termes de permis défendu. Je pense que l'Église indique une voie qu'elle estime être la meilleure, encore une fois au nom d'une vision de l'homme, et que ceux qui ne choisissent pas cette voie, eh bien, c'est leur liberté, on n'a pas à les juger. Mais en revanche, ils se confrontent à des dilemmes éthiques, justement. Qu'est-ce qu'on fait si on fait une FIV? On sait que ça provoque, on crée d'autres embryons qui sont congelés en attendant une éventuelle utilisation et qu'on ne sait pas quoi faire de ces embryons et que chaque année, l'administration demande à ses parents qu'est-ce que vous voulez faire de ces embryons. Bon, voilà, on ne peut pas dire que ce n'est rien, que c'est une chose, c'est un matériel ou un matériau. Donc voilà le type de dilemme auquel on peut être confronté quand on choisit ça. Émeric Pourbet parle de liberté, et incontestablement souligné dans ce texte. Il n'empêche néanmoins qu'il y a un interdit qui a déjà, depuis 20 ans, qui a heurté un certain nombre également de couples catholiques. Jean-Pierre Denis, la vie réagit comment à ce genre d'interdit? Face à un interdit, on a toujours envie de dire non, on se révolte contre des interdits, donc c'est sûr. Il est certain que, moi ce qui me gêne, si vous voulez, de manière générale, ce qui est très compliqué dans ce genre d'affaires, c'est que je crois que la position de l'Église est extrêmement cohérente. Elle est au fond extrêmement soucieuse de l'humanité de l'homme. C'est ça, hein, il s'agit de ça. Il s'agit de défendre d'ailleurs les plus faibles en l'occurrence. Donc cette position-là, elle est cohérente. Et évidemment, il faut être honnête, elle se heurte à des cas particuliers qui sont des histoires singulières, des histoires individuelles qui sont extrêmement douloureuses. Et il ne suffit pas de dire « Mes pauvres amis, on regrette de rien pouvoir faire pour vous ». Et c'est non, c'est vrai que quand on dit ça, ben, on a toutes les chances de ne pas être entendu parce que ce sont des êtres humains et qui ont des problèmes extrêmement concrets. Et quand on leur apporte une réponse négative, évidemment, ben, c'est évidemment un choc et une révolte. Donc on ne peut que partager leur sentiment à ce moment-là. Et en même temps, évidemment, c'est toujours le problème de la norme, au fond. C'est-à-dire la norme, elle est pas faite pour des cas particuliers, elle est faite pour protéger une certaine vision de l'homme en général qui entre en conflit. Et moi, ce qui serait honnête de dire, profondément sur ces questions, c'est de dire, de reconnaître qu'il y a des points limites sur lesquels, au fond, les couples, aujourd'hui, face au progrès de la médecine et face aux difficultés qu'ils rencontrent, sont placés devant des choix qui sont vraiment des choix cornéliens. Ce sont des choix cornéliens, donc il n'y a pas de bonne solution pour eux. Et ils essaient de se débrouiller avec ça. Quand on discute avec des couples qui ont rencontré des cas très, très, très concrets, ils essaient de se débrouiller avec ça. Alors moi, je pense qu'au fond, l'Église les aide en situant un certain nombre de points de repère. La difficulté, c'est que plus on va rentrer dans des cas précis, plus on va rentrer dans un catalogue normatif, et plus ça va être difficile dans des cas très particuliers. Moi, je crois que plus l'Église énonce fondamentalement les principes, c'est-à-dire ce que dit Mgr Dornelas, le oui à la vie, pourquoi le respect du flux faible, pourquoi la dignité de l'être humain dès sa conception, plus c'est audible. Et plus on va rentrer dans des cas particuliers, plus ça va être forcément problématique pour des personnes. Vous parlez de cas particuliers, mais le texte fait de nouveau allusion aux interdits déjà annoncés encore une fois il y a 20 ans. Il fait allusion à l'interdiction du stérilet, de la pilule du lendemain, de la fécondation in vitro, y compris au sein même du couple. Est-ce que vous pensez que ce sont des cas particuliers? Quel écho avez-vous de la part de vos auditeurs, de vos lecteurs? Est-ce qu'ils sont surpris, choqués, ou est-ce qu'ils attendent en effet que l'Église donne une sorte d'idéal? Émeric Pourbet. Je crois qu'on a dit aussi, pendant beaucoup d'années, finalement, c'est à chacun de voir avec sa conscience. Certes, personne ne le nie, mais en revanche, encore faut-il que cette conscience soit éclairée. Et donc, je pense qu'un document comme celui-ci, même si on peut dire, effectivement, peut-être que c'est formulé avec trop d'interdits, etc., en même temps, ça clarifie les choses, et après, à chacun de se déterminer, effectivement, mais en connaissance de cause. Je crois que ça, c'est important. Ouais. Mais moi, ce que je peux dire, c'est que je crois, pour lire très attentivement le courrier des lecteurs de la vie, je crois que les catholiques sont très souvent partagés sur ce sujet. Je fais souvent des éditoriaux pour, je dirais, défendre aussi cette défense de la vie, je dirais. Et forcément, ça ne fait pas plaisir à un certain nombre de personnes. Et je crois qu'il faut aussi les entendre. Et moi, ce que je souhaiterais, c'est que, au fond, l'Église aille au-delà et qu'elle arrive à défendre la dignité de la personne, à montrer que c'est un combat assez global. C'est-à-dire que
plus le combat pour la dignité du plus faible, il concerne peut-être l'embryon, évidemment. Il concerne aussi l'immigré sans papier qui est dans nos rues, qui est aussi une personne faible et qui n'a pas de papier. Qu'est-ce qu'on en fait ? Pour moi, tout ça est extrêmement cohérent, ça fait un tout. Et je crois qu'il faudrait que l'Église explique qu'elle ne veut plus justement que l'homme soit divisé en tranches, et on s'intéresse à l'homme dans sa globalité, et on défend la dignité dans sa globalité. Voilà. Je crois que c'est ça qu'il faut faire vivre. Et dans la crise qu'on traverse actuellement, qui est une crise très forte, pas seulement une crise économique, c'est une crise vraiment de culture et de civilisation, c'est ça qu'il faut faire vivre, je crois. Alors prenons, si vous le voulez bien, l'exemple qui nous a servi d'introduction avec la recherche sur les cellules souches, alors qu'elles soient embryonnaires ou souches adultes, puisque tout le débat est là à l'heure actuelle. Et même, bien entendu, vous faisiez allusion à la prochaine conférence bioéthique en France, donc le débat n'est loin d'être tranché. Alors y a-t-il aujourd'hui un impasse entre les théologiens, les philosophes, les médecins, sur cette difficulté qu'on a aujourd'hui à définir les frontières de la vie, puisque tous les débats portent en effet bien souvent sur le début et la fin de la vie. L'Église offre une lecture qui n'est pas forcément la seule, mais elle s'oppose souvent avec d'autres lectures. Je sais pas si, enfin, je crois qu'il y a aussi des ponts en tout cas, et que au sein de l'assistance publique, l'hôpital de Paris par exemple, il y a un centre de recherche éthique, et je pense que les passerelles entre, on va dire, l'Église catholique au sens large et cette cellule existent et sont réelles. En revanche, je crois qu'il y a des intérêts qui s'opposent. Et c'est vrai que lorsque l'on parle de recherche médicale, il ne faut pas oublier qu'il y a des intérêts économiques qui sont en jeu et qui font que, c'est vrai, on pousse aussi à pousser la recherche au maximum, au plus loin, parce que derrière, il y a des perspectives de rentabilité ou en tout cas des recherches qui sont financées. Ça, je crois, je veux tout à fait souscrire à ce point-là. Moi, je crois que quand on voit le débat sur la recherche sur l'embryon, il y a évidemment un lobby qui a, soit par habitude, je dirais, parce que les scientifiques, ils ont aussi leurs habitudes de leur routine de recherche, soit peut-être par intérêt, se refusent à envisager d'autres modes de recherche, quand pour autant c'est pourtant possible. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait fait, dès le début du lancement du projet de la Fondation Le Jeune Novus Sanguis, un reportage là-dessus dans la vie, parce qu'il y a des solutions alternatives. Ce qui me paraît important aussi, c'est de souligner qu'il y a un rapport entre le discours sur le début de la vie et le discours sur la fin de la vie. Moi, j'ai rejoint le... Ce qui rejoint la cohérence du discours de Jean-Paul II quand il disait « la culture de la vie se défend depuis ses origines jusqu'à son terme ». C'est bien cela. Voilà, je crois que c'est ça. Moi, il y a récemment un comité qui s'est lancé, que j'ai rejoint, qui s'appelle « Plus digne la vie », qui a été fondé par Emmanuel Hirsch, qui est le responsable de l'espace... Sorte de réponse à mourir dans la dignité ? Alors, je crois que c'est plus intelligent qu'une réponse de type polémique. C'est une véritable alternative de pensée, c'est-à-dire d'expliquer qu'est-ce que c'est que la dignité de la vie pour nous. Pour nous, que nous soyons croyants ou non-croyants, nous ne sommes pas obligés de penser que la dignité de la vie, c'est la mort. Je crois qu'on peut penser que la dignité de la vie, c'est de la respecter, justement. Donc il y a beaucoup de gens, je crois qu'aujourd'hui, qui commencent à se poser des questions. Ça dépasse d'ailleurs les frontières de l'Église catholique. Là, il s'agit d'un mouvement totalement non-confessionnel. Et je crois que c'est très intéressant de voir que maintenant, il y a des passerelles qui se créent entre des gens qui sont sincères, qui sont honnêtes et qui cherchent à proposer à notre société un modèle positif, un modèle de vie positif. Sur le statut de l'embryon, je disais qu'il est au centre des interrogations actuelles. On voit bien que le Vatican, dans son texte, ne s'est pas prononcé clairement sur une définition précise de l'embryon, à savoir est-ce qu'il s'agit véritablement d'une personne. Est-ce que ça montre en effet que la réflexion n'est pas aboutie ? Est-ce que ça montre aussi qu'il n'y a pas forcément consensus général au sein des églises chrétiennes ? Par exemple, les protestants disent on ne veut pas sacraliser l'embryon. Où en est, à votre avis, dans ce cas-là, le point qui pourrait recueillir un consensus ? Moi, j'ai envie de vous dire, c'est là qu'on voit que l'Église catholique a une position assez modérée, puisqu'on ne dit pas que l'embryon est une personne, on parle vraiment, on parle de personne en devenir. On dit quand même que le corps embryonnaire est un véritable organisme vivant. Voilà, donc il y a quand même une phrase, pour montrer que c'est quand même une histoire un petit peu compliquée. De toute manière, l'Église, elle a réfléchi depuis le Moyen-Âge à la question de quand l'âme vient dans le corps. D'ailleurs, c'est assez curieux, parce que c'est une question qu'elle ne pose plus aujourd'hui. Moi, je m'attendais, j'aimerais que le Vatican se pose cette question théologique, parce que c'est une question qui a traversé le débat théologique depuis le Moyen-Âge. À partir de quand on considère qu'il y a une âme dans le corps ? Est-ce que c'est depuis la première cellule ? Ça peut se discuter. Enfin, c'est un vrai sujet, je trouve.
Oui, si je peux rajouter juste quelque chose, c'est vrai que l'Église dit l'embryon est considéré comme une personne, non pas une personne en tant que telle. Bon, je crois que ça, c'est peut-être effectivement des vieilles querelles de théologiens sur lesquelles moi je ne suis pas tellement compétent. Ce que je voudrais juste dire, c'est que d'un point de vue pragmatique... Mais l'enjeu, c'est bien savoir si on utilise l'embryon à des fins de recherche ou pas. Oui, mais justement, d'un point de vue pragmatique, si c'est considéré comme une personne humaine, à partir du moment où il y a aussi une continuité entre le moment de la conception jusqu'à la naissance d'un bébé... Je crois que voilà, l'aspect principe de précaution veut que du coup on considère que l'embryon, enfin, il doit être traité effectivement à l'égal d'un être humain. Voilà. Alors j'ai relevé une autre phrase qui m'a paru assez frappante dans ce texte. La recherche qui utilise l'embryon est condamnée non seulement parce qu'elle est privée de la lumière de Dieu, dit ce texte, mais aussi parce qu'elle est privée d'humanité. Est-ce que ça veut dire que l'Église se pose en véritable référent en disant ce qui est humain, ce qui ne l'est pas ? Est-ce que vous pensez que ce propos peut éventuellement déranger l'opinion qui n'est pas l'opinion croyante ? Jean-Pierre Denis. C'est-à-dire, vous connaissez la fameuse phrase, vous n'avez pas le monopole du cœur. Donc, évidemment, est-ce que l'Église a le monopole de l'humanité ? Voilà, si l'Église laisse entendre qu'elle a le monopole de l'humanité, je pense que, on va dire, au moins que dans la société séculière qui est la nôtre, ça ne passera pas. Et je pense que c'est d'ailleurs faux, parce que, Dieu merci, heureusement, l'Église n'a pas le monopole de l'humanité. L'humanité, on la retrouve ailleurs, très heureusement. Donc, ce genre de phrase est toujours un petit peu difficile à manier, un petit peu dangereuse, parce qu'on risque de la renvoyer comme un boomerang en disant, voilà, vous réclamez un monopole, mais ce monopole, vous ne l'avez pas. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas. Par contre, de fait, il y a une défense de l'humanité qu'on aimerait justement partager un peu plus largement. Paul VI disait l'Église experte en humanité. Vous pensez que cette Église a toujours le droit de revendiquer cette expertise en humanité, Aymeric ? Oui, moi ça ne me pose pas de problème particulier. C'est vrai qu'on n'a pas à revendiquer de monopole. En revanche, je pense que les chrétiens ont une lumière particulière qui tient à ce qu'ils se relient à un créateur et que voilà, la créature est à son image, tout simplement. Alors après, on n'est pas obligé de partager les présupposés ou le postulat. Mais en revanche, le constat, il peut être partagé avec beaucoup d'autres. Mais je préfère personnellement, ce que vous dites me paraît introduire une nuance qui est assez intéressante. C'est-à-dire, on a un regard chrétien sur l'humanité. Voilà, on n'a pas un monopole, on a un regard particulier quand même sur l'humanité. Alors, sur cette conclusion provisoire, je vous propose de passer à la suite, puisque nous aurons l'occasion de revenir sur ces lois bioéthiques l'année prochaine, à coup sûr. Il est temps maintenant de passer à notre rubrique à la une. La vie. Cet hebdomadaire catholique a souligné quelle information aujourd'hui ? Notre couverture. Une question, on parle d'un personnage assez célèbre, dont il est souvent, je crois, question acathéo, puisqu'il s'agit de Dieu, celui dont on ne parle jamais finalement dans les médias. Donc de manière un petit peu provocatrice, nous avons voulu mettre en une de notre numéro une enquête sur Dieu. Alors plus sérieusement, ça veut dire, au fond, derrière ce mot, qu'est-ce qu'on met aujourd'hui ? Où est passée par exemple la croyance dans le Dieu créateur, qui est fondamentale dans le christianisme ? Eh bien, cette croyance, qu'est-ce qu'elle veut dire aujourd'hui ? C'est ce que analyse notamment le philosophe Paul Clavier avec beaucoup de brio. Dieu et Dieu dans tout ça, autrement dit. Vous déclinez cette fameuse formule aujourd'hui. Et Dieu, où est-il ? Est-il encore comme sur nos peintures, sur son petit nuage, avec sa grande barbe ? Ou est-ce qu'il est rentré complètement dans nos cœurs ? Est-ce qu'il est immanent ? Est-ce qu'il peut tout ? Et qu'est-ce qui fait du mal ? Enfin, toutes les grandes questions fondamentales qu'on se pose. Aymeric Pourbet, les micros de Radio Notre-Dame ont souligné quel aspect de l'actualité ? Bien, écoutez, nous, dans les jours qui viennent, là, on va revenir sur la visite de Benoît XVI en France parce que c'est passé très vite, c'est passé beaucoup de choses. Et donc, on va reprendre à nouveau frais, en les commentant, les différents discours et textes, homélies, voilà, tous les matins pendant les vacances de Noël. Très bien. Et bien, écoutez, pour notre part, nous allons passer à notre rubrique « En bref ». Alors, je remarque tout d'abord, peut-être vous ne l'avez pas vu, je remarque tout d'abord que le courrier fonctionne bien entre les autorités religieuses et les autorités civiles, à preuve. Le ministre de l'Immigration vient d'écrire de nouveau, il l'avait fait l'an passé, aux évêques de France, en réponse à un certain nombre d'entre eux qui s'inquiètent des dérives actuelles, Brice Hortefeux défend sa politique. La nouvelle politique d'immigration de la France est marquée par le sceau du respect, le respect de la dignité humaine, affirme-t-il. Nous aurons l'occasion probablement aussi d'en reparler puisque nous avons déjà évoqué cette politique de l'immigration et des réactions vives, notamment du côté de la CIMADE. Dans l'autre sens, si je peux dire, c'est à peu près au même moment que Christine Boutin, ministre du Logement, a reçu l'appel d'une délégation. Celle-ci était composée du fondateur de l'association Habitat et Humanisme, Bernard Devers, mais aussi du cardinal Barbarin, au nom de la conférence des évêques, et elle était également signée des responsables français, protestants, orthodoxes et musulmans. Toutes ces personnalités religieuses demandent que les logements vides soient mis à disposition de personnes sans toit.
Par ailleurs, le Vatican a exprimé son soutien au grand-duc Henri de Luxembourg. Alors, vous connaissez peut-être cette histoire. Celui-ci, donc, la couronne du Luxembourg ne veut pas signer pour des raisons de conscience une loi sur l'euthanasie qui a été récemment votée par le Parlement luxembourgeois. Et le Premier ministre Jean-Claude Juncker a annoncé que le pays allait changer sa constitution pour réduire les prérogatives du souverain. Une crise institutionnelle, afin d'éviter donc une crise institutionnelle et de respecter l'opinion du grand-duc. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais le cas s'était également produit avec le roi Baudouin qui, en Belgique, avait refusé de signer une loi sur l'avortement. Voilà, question ouverte s'achève. Vous pouvez toujours revoir cette émission ou réagir sur le site www.ktotv.com. Il me reste à remercier Jean-Pierre Denis et Émeric Pourbet d'avoir participé à cette émission. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à l'année prochaine. En effet, nous nous retrouverons seulement en 2009. Et d'ici là, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et surtout un très joyeux Noël. À très bientôt.